Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'émission Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, c'est une proposition de fête de l'esprit. Délivrez-vous, c'est parce que nous voulons célébrer la vie en ouvrant l'une de ces portes les plus sublimes qui s'appelle l'intelligence. Oui, mesdames et messieurs, la vie est d'abord et avant tout une affaire, une histoire, une transaction d'intelligence. Et l'une des manières d'accéder à l'intelligence, c'est par les livres, mesdames et messieurs. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Et aujourd'hui, je ne reçois pas un auteur tout carrément. Je me suis donné cette liberté de recevoir aujourd'hui un élément important de la chaîne éditoriale qui est un lecteur. Oui, mesdames et messieurs, un livre suppose une relation de confiance entre un auteur et un lecteur. Et aujourd'hui, nous allons valoriser directement vous qui regardez cette émission et qui êtes probablement des lecteurs. On va visiter ensemble Roussan Camille. On va visiter ensemble toute une partie de la philosophie du droit, plein de conceptions philosophiques et métaphysiques de l'homme. Mesdames et messieurs, si vous voulez saisir l'essence de la poésie contemporaine, si vous voulez, mesdames et messieurs, faire un tour complet des idées qui existent autour de ce qu'est un être humain, restez avec nous à Délivrez-vous. Je vous laisse respirer. Voici, mesdames et messieurs, la rubrique Temps Poème pour ouvrir le bal. Respirez. Anthologie Debout. 85 poètes, 10 pays. Debout, francophonie solidaire. Mesdames et messieurs, j'ai en main une anthologie qui a pu réunir plein d'auteurs francophones du monde entier. Et étant donné qu'Haïti est une partie de la plaque tournante de la francophonie, évidemment qu'il y a plein de poètes haïtiens dans cette anthologie. Je vais commencer par David Jean. Laissons fleurir le temps est le titre du poème. Sauras-tu me reconnaître quand le silence m'étendu apportera l'odeur de la nuit? Je ne peux pas te dire quel nom donner au cri de l'enfant qui quitte l'enfance. Je ne peux pas te dire quelle saison choisir pour grandir. Le train passe, j'ignore comment l'arrêter. Il ne nous reste que sa musique. Le train passe. J'ignore si c'est aujourd'hui ou si c'était hier que tu as essayé d'inventer l'amour. J'ignore comment saisir ce bout d'ombre qui traverse le rideau pour applaudir le rêve dans ton dernier sommeil. Allez, on va continuer à voyager dans cette anthologie. Je m'en vais maintenant vous lire « Orage », un poème écrit par Kermond Lovely Fifi, qui aussi est une comédienne, une femme de théâtre de grand talent, qui était une membre influente de l'atelier du jeudi soir dirigé par Lionel Trouillot, l'atelier qui existe encore. Hein. David Jean en était membre, Jean en était membre aussi, c'est pour dire que cette aventure intellectuelle, littéraire et esthétique perdure. Bravo, Lionel Trouillot. Orage, nous dit Kermond Lovely Fifi. Je suis l'entre-ciel et la terre, un port où la rage ne suffit pas. Je suis l'œil qui t'attire, viens en moi. Je suis une rue qui brûle au point de départ. Un parcours dessiné, un papier mouillé, ma route est boueuse, point de demain. Je suis fatigué des amours nets, fatigué des détails, un baiser, un regard. La routine me fait mal. Je suis une rue qui brûle au point d'arriver, une main qui saigne, un peuple qui crie. Ce port où ma rage ne suffit pas fait obstacle à la réalité. Je reçois le matin
entre mes bras froids et nus, pour tout couronne, la faiblesse de n'être que des bras. Je les avance, balançant vers ce port où ma rage ne suffit pas. Routine des sourires défaits, des heures cachées, des heures volées. Et je ne suis que des bras. J'imite ce port où ma rage ne suffit pas. Je peux crier, je peux hurler, le matin qui se lève ne connaît point de paix. Il me faut du feu de parole, des jets de colère, d'immenses tonnes de rage, et encore crier et hurler. Ce port où la rage ne suffit pas respire entre ce qui est vrai et ce qui est moi. N'est-ce pas beau, mesdames et messieurs, l'aventure poétique? Le dernier poème de cette anthologie qui a pour titre 24 fois. Dorénavant, j'ai de la mort une mémoire intense et fougueuse. Des mètres carrés de sale caractère, des murs froids, des fenêtres qui n'apportent pas de nouvelles de toi. Et cette solitude qui travaille mon âme comme un ulcère. Chaque goutte de ciel, chaque déclaration d'amour, chaque vague de vie sans toi est une manière de mourir. Il pleut, virus dehors, et te voici loin et enfermé. Non, confiné, disent-ils. Tes yeux café noir ont toujours désiré pédaler pour vivre. Toi qui aimes envahir les parcs de Montréal, toi qui aimes t'ajouter à tous les bruits de Port-au-Prince et à la décadence du monde. Il pleut, virus dehors, et il ne faut pas que les hommes se croisent au risque d'éteindre l'éternité et l'humanité. Comment t'aimer confiné? Faut-il en appeler à Gilgamesh, à Erzuli, à Bouddha et à tous ces dieux qui savent vivre que parce qu'il y a des mortels sur terre? Comment ferons-nous pour vivre si le péché n'est plus de notre domaine? Ne va-t-on pas s'ennuyer? Aujourd'hui, le manque de toi me frappe à la tête 24 fois par jour et je prends feu loin de toi. Quand il fera un temps d'humain, mets ta main dans ma main. Laisse des poussières de toi sur ma paume. Profitons. Les virus aussi ont droit de vivre. D'Angelo Nea, c'est ma petite contribution à cette anthologie. Mesdames et messieurs, maintenant que le bal est ouvert, nous allons recevoir mon invité et je m'offre encore une petite liberté, laisser planer le suspense. Je ne vais pas encore vous dire qui il est, mais par contre, je vous laisse respirer et je vous dis à tout de suite. Attention, camarade, la poussière te marche sous les pieds. Dans tes actes et ta pensée, ne dors pas du sommeil des énigmes. Prends les livres en otage pour ne pas te voiler d'incohérences, te mentir à voix basse. Georges Castrat, ma muse. Prends les livres en otage, nous dit le poète. J'aimerais reprendre ce vers. Prends les livres en otage. Que les jeunes qui nous regardent là suivent dans l'absolu cette commande du feu poète Georges Castrat.
Mesdames et messieurs, je suis en train d'introduire Mikaelo Nickenson-Pierre, qui n'a que 20 ans, on n'a pas 20 ans de foi, comme on dit, et qui est mon invité aujourd'hui. Pierre, bienvenue sur cette pierre d'intelligence que nous essayons de construire à Caraïbes. Ah ouais, je vous salue, monsieur Néa. Je fais un coucou à tous les fans de l'émission. C'est un bonheur démesuré de me retrouver encore ici avec vous sur le plateau. Je ne vais pas dire comme Charles Bukowski que j'attends qu'il pleuve des bières, mais je vais dire plutôt que j'attends qu'il pleuve des idées, de la bonne parole. Voilà, absolument. On est là. Au plaisir, Mikaelo, et clin d'œil à Charles Bukowski, qui est l'un de mes écrivains préférés, en effet, ouais, et que je recommande, en effet, au public qui nous regarde là maintenant. Je reprends le nom Charles Bukowski, qui a écrit plein de livres, dont le plus retentissant serait Les Contes de la folie ordinaire. Exactement. On va commencer par Bukowski, peut-être. Comment tu as rencontré Bukowski? Alors, ma rencontre avec Bukowski, c'est par une anecdote que mon professeur là, que je salue là, qui peut-être regarde l'émission, à savoir M. Johnny Lundi, qui nous racontait l'anecdote. Ah, et je lui raconte l'anecdote. C'est moi qui ai parlé lundi de Bukowski. Ouais, lundi, Johnny, ouais, je te tiens. On était collègues, et je lui ai parlé de Bukowski. Vas-y. C'était mon professeur et il nous a permis de découvrir l'anecdote. C'est quoi l'anecdote? Il y a l'enfant de Charles Bukowski qui vient auprès de son père et puis qui dit: papa, mais c'est quoi la vie? C'est quoi la vie, papa? Et puis Bukowski dit: mais attends, mon fils, tu verras, tu comprendras un jour qu'est-ce que la vie. Et puis l'enfant retourne auprès de son père, il dit: mais Bukowski, mon père, dis-moi, c'est quoi la vie? Le père lui dit: patience, tu arriveras à comprendre ce qu'est la vie. Et puis, bonjour, il y a une dame qui est montée du haut d'un immeuble et puis qui s'est laissée tomber, ok. Qui s'est suicidée, carrément. Et la personne, et la dame s'est suicidée. Et puis, voilà que la dame est arrivée par terre et puis Bukowski appelle son fils. Bukowski dit: viens, mon fils. Viens voir. Viens regarder, viens voir. Et puis... voici de quoi nous sommes faits. Et puis, Bukowski dit à son fils: ah bien, mon fils, voilà la vie. La vie, c'est les tripes, c'est de la merde et c'est du jus gluant. Ça, c'est une définition de la condition humaine. On n'est que ça. Et là, c'est une des nouvelles de Charles Bukowski, est prise dans les contes de la folie ordinaire. Pour les gens qui nous regardent, visiblement, ça va être un gros livre, mais vous inquiétez pas, c'est que des petites histoires que Charles Bukowski raconte et nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir cet écrivain, on va dire américain, mais d'origine allemande surtout. Ouais. On a déjà un premier auteur dans notre panier d'esprit. Mais dis-nous déjà, à quel moment tu as compris que la lecture était pour toi un lieu de réconfort et de confort? Je me rappelle que j'étais en NS1, niveau secondaire 1. Et il y a mon professeur, M. Johnny Lundi, je le salue parce qu'il a fait un bon boulot avec nous. Ce temps m'est venu avec le texte que je viens de réciter là, Castra. Et puis, il a commencé à réciter. Il a commencé à dire le texte de la salle. Mais j'étais stupéfait de voir comment il y a de la beauté de la lecture. Et c'est là qu'il a commencé à nous donner, on va dire, ce désir d'aller découvrir ce qu'est un livre. Et je me rappelle qu'il nous a toujours parlé de Daniela Ferrière avec et cette fameuse phrase qui dit: eh bien, le livre, c'est une cimetière où les morts pensent. Et c'est là que je me suis dit: ben là, le livre, ce n'est pas que livre, mais le livre, c'est tout le monde, c'est de la beauté, c'est de l'art. Je me suis dit: mais waouh, pourquoi ne pas aller découvrir cette chose? Pourquoi ne pas aller lire? Pourquoi ne pas aller me charbonner l'intelligence? Et c'est là que j'ai commencé à lire. Et depuis, j'ai vu qu'un livre, c'est tout un monde. Un livre peut te réparer. Un livre peut réparer les gens. Un livre, c'est comme, bon, je ne vais pas utiliser les phrases de Kundera qui dit que la musique est libératrice, elle permet d'ouvrir des portes dans le corps par où l'âme sort pour fraterniser. Mais je vais dire plutôt que le livre peut ouvrir des portes dans votre corps par où l'âme sort pour fraterniser. Un livre peut ouvrir des portes, un livre peut faire des miracles dans votre vie. Et quand tu cites Kundera, ça me fait penser à un essai que Kundera a fait tien sur le roman, où il dit: l'esprit du roman est l'esprit de la complexité. Ouais. Chaque roman dit au lecteur que les choses sont plus compliquées qu'elles ne paraissent.
Mesdames et messieurs, si vous voulez découvrir et comprendre toute la complexité des choses et du monde, il faut absolument ouvrir des livres qui vont vous permettre d'interpréter le réel. Exactement. Est-ce que c'est pour ça que tu lis aussi quelque part? Ouais. Pour avoir une clé pour interpréter le vivant? Ouais, exactement. Le livre, c'est... ça te met en accord avec un monde, mais en même temps, le livre te permet de mieux comprendre l'espace, de mieux comprendre les gens, de mieux s'approprier la réalité dans laquelle on vit. Et tous les hommes, toutes les femmes aimeraient comprendre la réalité. Exactement, tout à fait. C'est là l'objectif, le but ultime de tout être vivant, c'est d'arriver à accaparer ce qu'est le réel. Mm-hmm. Et lorsqu'on lit, lorsqu'on s'affine à la lecture, eh bien, la lecture nous permet de mieux comprendre, d'arriver à saisir eh bien, le monde vivant, les gens, l'entourage, l'environnement. Donc tout ça, c'est grâce à la lecture. Qui attise notre intelligibilité. Voici le mot. On n'aura pas peur des mots. Et vous qui êtes jeune, on vous dit dans le quartier, ne dites pas de gros mots. Oui, dites les mots. Soyez intelligent. N'ayez pas honte d'être brillant. Et alors, l'intelligibilité, c'est rendre les choses intelligentes, compréhensibles et accessibles. Tout à fait. Parce que pendant longtemps, je ne sais pas si tu as connu ça quand tu étais jeune à l'école, quand tu exploite le vocabulaire existant. Il y a des gens autour de toi qui vont te balancer. Ah oui, tu balances des gros mots. Il n'y a pas de mots qui soient plus gros et des mots petits. Les mots sont des mots. Exactement, il faut utiliser les mots. Les mots sont ce qu'ils sont. Donc, des outils mots, qui nous permettent de communiquer ce que nous pensons. Et on ne peut pas parler sans mots. Donc, pour parler, on a besoin des mots. Et les mots nous aident à véhiculer ce qu'on a comme idéal, ce qu'on a comme pensée. Ça arrive qu'on n'utilise pas les mêmes mots, mais quand même, on va utiliser les mots. Donc et les mots livres, ont importance. Les livres sont, il me semble, des banques à mots. Un être humain qui souhaite enrichir son vocabulaire, un être humain qui ne veut pas souffrir de la maladie des œufs, un être humain qui appelle tout chose, la chose, chose, et c'est toujours la chose. Il faut absolument lire pour avoir une capacité de parole carrément. Vocabulaire, donc le livre permet cela également. Lorsqu'on lit, on arrive à découvrir d'autres mots. Donc bien souvent, on trouve des gens et puis ils utilisent des mots bien spécifiques. La personne parle et puis tu vois que la personne est très droit. Est très droit. Tu as une récision lexicale. Ouais. C'est le bon mot pour nommer la réalité. Et tâtonne. La personne dit, tantôt c'est ça, tantôt c'est ça. Mais là, on voit que la personne manque de mots. Mais lorsqu'on s'affine à ce qu'est à la lecture, eh bien, on arrive à mieux s'exprimer. Les mots arrivent facilement, aisément. Et c'est là l'importance de la lecture. Donc, ça, les mots arrivent sans attendre. Cela, sans s'attendre à cela, on voit qu'on parle et puis le mot arrive tout seul, on ne s'efforce pas. Voilà, on va essayer d'être pédagogique, Pierre. On a parlé au tout début de l'émission de Charles Bukowski, nous invitons les gens à découvrir cet auteur. On a aussi parlé de Milan Kundera, écrivain tchèque, mais qui s'est exilé en France et qui est mort tout récemment, Kundera. Ouais. Et il faut absolument lire de lui l'insoutenable légèreté de l'être. Exactement. Tu sais, pour Kundera, je rends hommage aussi à mon oncle. Ouais. Et La vie est ailleurs de Milan Kundera, c'est l'un des premiers livres qu'on m'a offert dans ma vie. J'étais trop petit pour Kundera, j'avais 11 ans, tonton. C'était pas possible que tu me balances du Kundera alors que j'avais 11 ans. Mais tu nous as ramené une partie de ta bibliothèque et cette partie est pétrie, on va dire, de l'âme de la poésie haïtienne, l'un des poètes haïtiens les plus emblématiques de l'esthétique haïtienne. D'abord, avant d'aborder Roussan Camille, puisqu'il faut le nommer, dis-nous quel rapport tu as avec la poésie. Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Comment la poésie augmente-t-elle ta vie? Je vais commencer ici pour dire que parler de poésie, c'est parler d'une vaste séduction de l'autre. Lorsqu'on parle de poésie, c'est pas simple, c'est pas, on va dire, c'est métaphysique en fait. Lorsqu'on lit de la poésie, ça arrive qu'on soit transcendé par ce qu'on lit. Et je vais dire que mon rapport à la poésie, c'est ça. Ça m'arrive de me réveiller un bon matin, puis je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas prendre du Vagabondage au féminin de Edmé de la Rochefoucauld. Donc là, je me dis que la poésie, c'est, il n'y a pas de moment pour moi pour lire de la poésie. Mais tous les moments sont propices. Tu sais quel moment et j'ai trouvé magnifique dans la poésie? C'est un jeune qui s'appelle Durkheim, qui est un chanteur. Ouais, ouais.
Je le connais. Bon, dans ma tête, ces petits jeunes, je pense que c'est de la phrase facile, c'est plein de clichés, chez vous belle, chez vous bien campé, les mots courants, chez vous mais on... Ouais. Mais maintenant, on chante, monsieur, je me donne des, monsieur dit, l'amour roche dans dôme, l'amour met pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, là, c'est vraiment de la poésie, ça. Mais, c'est pour dire aux jeunes qui nous regardent, même dans la chanson, tu ne peux pas éviter la poésie. Poésie a bien non quand même. Tout à fait, tout à fait. Et l'amour roche dans dôme, dans bel empile. Vers là, c'est l'amour roche dans dôme, l'amour met pour moi, l'amour fin ban molle, après li blom. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, on va dire que l'on veuille ou on ne le veuille pas, on va rencontrer la poésie dans sa vie. On va faire la rencontre de la poésie. Pierre, Alan Cavé, t'écrivant jour et nuit toutes les lettres de mon corps, dans un grand bruit d'amour à faire sauter les rêves, à les foutre de yon, chère et en parole. Alan Cavé, ou quitter goût bouche sous bouche moi. Ça, c'est de la poésie. Forme corps, la brame. Donc, pour moi, Alan Cavé, il m'a laissé bouche bée, quoi. Non, ça, c'est. Le mec, il est hors pair, quoi. Il faut aussi faire un clin d'œil, quand même, à son papa. Ouais. Cito Cavé, grand poète haïtien. Mais, les maps, je t'aime, non, mais. Écoute-moi, je t'aime. Regarde-moi, je t'aime. Quand on était dans le texte, je me dis, promettez. Je te volerai ton feu, ma bien-aimée. Le mec, il est hors pair, quoi. Le mec, il est hors pair. Non, c'est une mythologie grecque en même temps. Ouais. Et on sait que Prométhée. Absolument. Un mélange. On sait que Prométhée, c'est lui-même qui te volait du feu au limplan le poté by l'homme qui fait l'humanité exister dans la mythologie grecque. On est là grâce à Prométhée. Je dis, Prométhée, je te volerai ton feu. Non, mais qu'est-ce que c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Tu nous as ramené du Roussan Camille. Pourquoi Roussan Camille? Et pas les autres. On va dire que Roussan Camille occupe une place tout à fait prépondérante de la littérature haïtienne. N'oublions pas que notre littérature a connu beaucoup de périodes, à savoir l'école de 1936, il y a la génération de la Ronde, il y a également le mouvement indigéniste. Et là maintenant, j'invite les jeunes à aller lire Dieudonné Fardin, qui a écrit un livre, et à savoir le mouvement indigéniste haïtien, de 1915 à 1960. Donc, Roussan Camille était poète de ce mouvement-là. Il était poète de la même manière que Karl Brouwer et Léon Lalo et les autres. Maintenant, n'oublions pas que Roussan Camille, il a apporté une pierre tout à fait importante pour arriver à permettre au mouvement indigéniste d'atterrir. Parce que n'oublions pas que le mouvement indigéniste avait un idéal, c'était de promouvoir notre terroir, le terroir haïtien, notre couleur locale. C'était ça leur objectif principal. Bien sûr, ils menaient d'autres luttes, à savoir des luttes littéraires, des luttes scientifiques, surtout contre l'occupation américaine, tout ça. Mais leur objectif, c'était de voir comment faire un retour à l'alma mater, si on veut reprendre les écrivains de l'école de 1936. Donc, ils voulaient mettre l'accent sur notre folklore, à savoir le vaudou également. Donc, ils voulaient voir comment on pourrait parvenir à rehausser l'éclat de notre culture et laisser tomber ce que Jean-Pressemans appelle le bouvarisme collectif, à savoir perdre son identité, aller chercher d'autre part. Donc, ils voulaient, ces écrivains-là, les écrivains du mouvement indigéniste, voulaient rehausser notre littérature. Et en ce sens, Roussan Camille a posé vraiment les bases permettant, on va dire, que cet objectif soit atteint. Nous sommes là dans l'aspect théorique et contextuel de l'affaire. Ouais. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, soit tout de suite après cette courte pause, on va explorer l'âme de la poésie de Roussan Camille. Je vous laisse respirer. À tout de suite.
Mesdames et messieurs, gardons bonheur, chers amis du bonheur. Je prends beaucoup de plaisir à vous retrouver après cette courte pause. Et cette pause sera chassée en majuscule par un poème de Roussin Camille, l'une des vedettes du jour. Je reprends le nom, puisqu'il faut le noter, puisqu'il faut le garder en mémoire et dans son âme. Roussin Camille, grand poète haïtien. Parole pour mon enfance. Tu as de bien beaux yeux, mon enfance, et des mains ouvertes au soleil comme pour saisir la lumière. Si tout éclat n'était moins pur que ton obscure extase, c'était bien la peine d'avoir fait tant de chemin, bu tant d'orgueil, au mystère percé de l'horizon, au violent arc-en-ciel de la chair des quatre races, au regret qui pleurait sur les quais des départs, aux fleurs offertes dans les ports d'arrivée, à la faveur des multitudes, aux multiples secrets des livres trop lourds, pour être si petit devant ta seule paix. Pourtant, je ne te regrette pas, mon enfance. Mon enfance dont je me couvre tout au long du silence contre le froid qui vient du fleuve lent des heures. Cette femme qui fut la lumière et la chanson, dont la présence a contourné les prairies de la mort pour se trouver au bout de toutes les routes, tu ne l'as pas connue. Oh, mon enfance, qui l'aurait plus aimée que cloche de province au soleil sur la plaine. Mesdames et messieurs, c'est du Roussin Camille à 95 carats purs. Alors Roussin Camille, j'imagine que tu l'as connu aussi à l'école secondaire. Oui, je l'ai découvert avec un texte que j'ai eu à la bibliothèque de mon école. C'était « Assois la nuit ». Assois la nuit. Avec quel poème, Assois à la nuit. C'est un poème qui m'a laissé bouche mais sans voix. C'est un poème sublime. Ouais. Sublime. Et c'est de par ce livre que je me suis dit, mais pourquoi pas aller découvrir Roussin Camille sous d'autres horizons? Pourquoi pas aller lire d'autres livres de Roussin Camille? C'est quelqu'un qui a, on va dire, l'écriture comme son épée de chevet. Et après, je me suis dit, ben, après, Assois la nuit, quelques passages de Nietzsche, tout ça. Et puis, je me suis dit, ben, je vais aller lire Roussin Camille avec d'autres livres, avec la multiprésence. Hein. Et puis, c'est là que j'ai découvert ce livre. Et puis, je me suis dit, ben, il faut avancer avec l'aventure. Mais il me semble que Roussin Camille, monsieur Pierre, fut aussi un homme à femme. Ah ouais. Je tombe là sur la fin d'un poème que monsieur a écrit pour Laura. Ouais. Tenez-vous bien, hein. À la fin du poème, c'est « Tu souris par derrière la vitre, et si j'ai la force de sourire, c'est parce que tu souris. Quand le soleil meurt, quand le soleil triomphe, et que les dieux nous confondent. » Ah, ça c'est de l'or. Ouais, monsieur, qu'on écrit, vrai. Ouais, monsieur, dit fort. C'est pour cette raison qu'il avait beaucoup de femmes dans sa vie. Et il y avait Laura, il y avait d'autres femmes. Donc, ça montre, on va dire, son rapport avec une vie de bohème. Donc, ce qu'il écrivait, il vivait cela également. Donc, il n'écrivait pas pour écrire, mais il vivait ce qu'il écrivait. Donc, on voit que, tout comme Karl Broy, qui était également poète du mouvement indigéniste, ces mecs-là, ils menaient une vie de bohème. Ils étaient des bohémiens, ils aimaient le plaisir sexuel, le plaisir des sens, les femmes, la vie. Ils aimaient picoler de temps en temps. Donc, ils menaient une vie en rapport avec la manière selon laquelle ils écrivaient. Voilà. Et Roussin Camille, c'était ça. Il avait beaucoup de femmes et il a écrit des poèmes tantôt après leur décès, tantôt pour leur dire combien il les aimait, tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment écrit et il a vécu ses écrits. Absolument. Parole pour payer. Oh, mon beau souvenir aux blessures mortelles. À force d'être faite de choses à jamais mortes, si mes reins se brisent sur cette plaque de l'insomnie où tu me fais tourner, ne confonds point ma fatigue avec la peur. Je serai loyal à ce jeu sombre et si long de nuits sévères et de rêves sans ailes, d'amour désincarné et de pensées blasées.
Je payerai le destin pour toute la joie dont un jour il me baigna dans les yeux somptueux de la bien-aimée. Toujours la femme revient, mais sans vulgarité, sans trivialité, avec volupté, avec tendresse, avec une générosité esthétique qui caractérise la dimension de Roussan Camille. Exactement. Il y a cette souplesse de ses écrits. Donc, c'est quelqu'un, lorsqu'il écrit, il écrit avec une douceur. Ça fait plaisir de lire Roussan Camille. Parce que ces mots, les mots qu'il choisit, déjà, il faut mettre l'accent sur ça. Absolument. Lorsqu'on écrit de la poésie, les mots sont tout à fait importants. Mm-hmm. Et c'est pour cette raison qu'un poète, lorsqu'il écrit, il doit choisir quel mot mettre dans son texte. Parce qu'un mot peut percer une âme. Un mot peut transcender une personne. Lorsqu'il écrit dans la chanson « N'est que toi », il dit « Chaque fois que je parle, ton souffle est à ma parole. Chaque fois que je chante, mon chant est plus fait de toi que de mots. » C'est hors pair. Donc, c'est quelqu'un qui sait choisir ses mots. Donc, il n'utilise pas n'importe quoi, il ne fait pas de la poésie. C'est une poésie chirurgicale. Tout à fait. Et c'est aussi une poésie qui est un indicateur de sa grande culture littéraire et poétique. Tout à fait. Il écrit des poèmes pour Paul Éluard, mesdames et messieurs, poète français, que je vous invite à découvrir. Il écrit des poèmes pour Pablo Neruda, poète chilien, mesdames et messieurs, qui a écrit notamment « J'avoue que j'ai vécu », que je vous invite à découvrir. Ça vous fait plein d'auteurs à noter et à découvrir chez vous au rythme qui vous convient. Un poème par jour, un poème par semaine. Mais de grâce, mesdames et messieurs, lisez. On va laisser le monde de la poésie, Pierre. On va passer maintenant à la philosophie. On avait commencé à aborder ce livre lors de notre dernière émission, mais je me suis dit, pourquoi ne pas s'accorder du temps et être vraiment dans une dynamique pédagogique pour permettre aux jeunes qui nous regardent là maintenant de saisir l'être humain dans toute la complexité de regard que des penseurs ont placé sur lui. Parce que qu'est-ce que la philosophie, sinon une prétention de percer ce mystère qu'est l'homme qui est ancré dans le réel ou l'homme qui fabrique du réel. Hein? Commençons déjà par cette partie de la chose. Toi, quelle est ta conception de la chose philosophique? Je vais dire que la philosophie, c'est un moyen qui peut vous bouleverser intellectuellement. Lorsqu'on est en rapport avec la philosophie, on peut être choqué. On peut être bouleversé de par des idées, de par des auteurs bien spécifiques qui ont des écrits concernant la philosophie. Donc, la philosophie, c'est un mantra pour, je dirais, dégager ce qu'on appelle l'intelligibilité du réel. Donc, absolument. La philosophie nous permet de nous mettre en co-accord avec le monde, avec la métaphysique, un monde, on va dire, de l'au-delà, qui va au-delà de l'humain. Donc, lorsqu'on lit de la philosophie, on n'est plus homme, on est plus que ça. Ouais. Et il n'y a pas d'âge pour philosopher. C'est ce que j'aimerais dire à des jeunes adolescents qui nous regardent là. Si vous avez 16 ans, 15 ans, 17 ans, il n'y a pas d'âge. Je vous cite cette phrase. Les premiers philosophes, ce sont les enfants. Parce que les enfants à 4 ans, 5 ans, les enfants posent tellement de questions. Qui sont tellement bizarres. Et c'est difficile de répondre à ces questions. Lorsqu'un enfant te pose une question, et des fois, c'est tellement pas simple, c'est tellement difficile à comprendre, à appréhender ce que l'enfant veut dire. Et puis on se met dans tous ces états, on se dit, mais qu'est-ce qu'il voulait dire là? Parce que malheureusement, on n'a pas gardé notre âme d'enfant. Ouais. On n'a pas gardé cette âme qui nous permettait de questionner le monde. Malheureusement, nous nous sommes habitués au monde. Et le fait que nous nous sommes habitués au monde, nous sommes arrivés à un point où nous ne questionnons plus ce monde. Tout à fait. Donc, et on a été bouffé par le travail. Exactement. Donc, on s'est mis en co-accord avec une certaine habitude et l'habitude crée l'inattention. Donc, du fait qu'on est tellement habitué avec le monde, avec les gens, tout ça, l'entourage, donc on n'a pas cette curiosité intellectuelle d'aller plus loin parce qu'on s'est habitué et puis bon,
ça a créé de l'inattention. Et puis on s'est dit, ben, pourquoi pas se faire avec le monde, et puis rester dans son cocon-là, ne rien faire, ne rien questionner, se mettre en quoi à quoi avec des choses tout à fait normales, sans jamais aller au-delà, sans jamais aller plus loin que ça. Parce que la philosophie, c'est ça. La philosophie te permet d'aller plus loin, de percer des mystères, de percer ce que les gens se trouvent comme des choses normales, des choses, on va dire, habituelles, tout ça. Du coup, comment tu mets en relation ou bien en dissension le discours philosophique et le discours religieux, quand nous savons que et la philosophie et la religion souhaitent donner aux hommes des outils pour comprendre le monde? Je vais dire que, bon, ça c'est mon avis, la philosophie et la religion seraient, pourquoi pas, deux thèmes, deux domaines tout à fait précis et en leur acception tout à fait différente également. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la philosophie, ça demande une dimension critique. Donc pour philosopher, il ne faut pas accepter le vrai comme tout simplement on se dit bah, c'est vrai, on l'accepte. Non. Donc la philosophie te permet de ne pas, on va dire, sombrer. Pourquoi pas, on prête le mot à, et qu'on dira, l'insoutenable légèreté de l'être. Donc, la philosophie te met dans un rapport avec et un monde tout à fait différent, parce que la religion, c'est autre chose. La religion, c'est la croyance, c'est la foi. Donc, c'est les choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas sentir. Et la philosophie n'aime pas ça. La philosophie aime lorsqu'on peut, on va dire, se mettre en corps avec une certaine, une certaine liberté avec les choses, une certaine, on va dire, raison, tout ça, par rapport aux choses, alors que la religion, c'est autre chose. La religion, on te dit, ben, c'est la foi, hein, c'est ça, oui, amen. Mais c'est pas la même chose avec la philosophie. La philosophie, c'est tout à fait différente, et je trouve que les deux domaines, c'est pas la même chose. Donc, et la religion et la philosophie souhaitent permettre que l'homme soit plus à l'aise dans le monde, c'est-à-dire que l'homme puisse comprendre la marche des choses et l'origine des choses, de la vie, de mettre un sens sur le monde, mais il ne procède pas de la même manière. La religion, c'est un protocole dogmatique, c'est un dogme. Si Jésus a tout créé en 7 jours, je trouve que c'est petit quand même, hein, pour créer le monde. Mais bon, je ne rentre pas là-dedans, hein, au risque de ne pas froisser les chrétiens qui nous regardent là maintenant. Alors que la philosophie propose la raison, l'esprit critique, l'esprit d'analyse, le doute, le fameux doute cartésien, pour comprendre le monde. La religion serait en ce sens une béquille métaphysique pour les gens qui ne veulent pas utiliser leurs facultés critiques. Ouais, je m'en vais à dire que si vous voulez vous mettre en quoi avec la philosophie, il faut au préalable savoir que la religion ne pourra pas s'immiscer dans cela. C'est pas, on va dire, un moyen pour parvenir à comprendre la philosophie. Donc, il faut arriver à comprendre que ce n'est pas les mêmes domaines. Donc, on ne peut pas les assimiler. Il faut comprendre que la philosophie, c'est une chose bien spécifique. Donc, il faut d'autres, il faut des compétences bien spécifiques pour pouvoir se mettre à quoi avec cela. Et la religion, c'est autre chose. Donc, on ne peut pas les assimiler. On ne peut pas dire, bon, je suis, je vais mettre l'accent sur ça. Ça n'empêche pas à une personne d'être religieux et de se mettre à quoi avec la philosophie. Bien que, bon, on va dire, il y a une certaine incohérence, tout ça, mais c'est juste pour dire à la personne, si vous voulez philosopher, il faut vous dire d'entrée de jeu que ça demande des compétences bien spécifiques qui ne peuvent pas s'assimiler aux compétences de la religion. Donc, c'est ça. Certains, Pierre, ont un préjugé qui consiste à laisser penser que le philosophe serait un lunatique, un perché, déconnecté de la réalité et du système des objets, pour reprendre Baudrillard. Est-ce que tu penses que c'est vrai que le philosophe est déconnecté de la réalité? Son monde fou, son monde aérien, qui ont apesanteur. Ah, c'est un philosophe, celui-là. Je m'en vais à dire que le philosophe ne comprend pas le monde de la même manière qu'une personne normale. Mais il n'est pas un lunatique. Au contraire, c'est lui qui nous permet de nous ancrer dans le réel. C'est clair, exactement. De comprendre le monde. Tout à fait. Le philosophe, il perçoit la réalité d'une autre manière qu'une personne normale. Une personne normale, il va te dire, ben, ça c'est une chaise, ça c'est un micro, ça c'est un livre. Alors que le philosophe, il ne procède pas de cette manière-là. Le philosophe te dit, ben,
On va dire, mais ce que tu appelles chaise, est-ce que c'est réellement ça? Voilà. Ouais, donc c'est ça l'objectif. C'est ne pas accepter pour vrai, pour dogme, ce qui au préalable peut ne pas l'être. Donc c'est avoir l'esprit critique, c'est se dire, ben, on ne peut pas se mettre en corps avec la normalité. On se dit, ben, ok, c'est une chaise, c'est un livre, on est d'accord avec ça, ok, c'est ça. Non. Donc le philosophe, il cherche à percer ces réalités qui, et le plus souvent, ne coïncide pas avec les réalités que les personnes tout à fait normales ils perçoivent. Donc les gens normaux ils vont se dire, ben ok, c'est une chaise, c'est un micro, on est d'accord avec ça et puis c'est tout. Mais le philosophe, il va plus loin que ça. Et tout ça, cette opération, c'est en faisant usage de sa logique, le philosophe souhaite déboucher sur une vérité, on va dire, objective et intemporelle. Pour que les gens comprennent ce que nous disons, prenons le cas du mariage homosexuel. Beaucoup ont un jugement arrêté, le mariage c'est un homme, une femme. Mais le philosophe pourrait comprendre la chose comme étant, si le mariage est un lien d'amour et institutionnel et économique carrément, hein, entre deux individus, pourquoi vous imposez des genres aux gens qui vont se marier? Oui. Donc que les femmes et les femmes se marient, des hommes et des hommes se marient, il y va de la liberté des gens. Donc, la philosophie défend la liberté de choix de l'être humain. Claire. Donc, le philosophe, il va se dire, ben, pourquoi pas ne pas regarder la chose d'une autre manière? Pourquoi considérer la chose comme les gens ont l'habitude de la voir? Ouais, pourquoi un footballeur gagne 500 millions de dollars tout au long de sa carrière et un professeur d'université a du mal à joindre les deux bouts? Voilà. Au fait, le philosophe va questionner, qu'est-ce que le monde actuel postule comme priorité. Voici pourquoi on a besoin de philosophes et on invite les gens qui nous regardent à garder leur âme d'enfant, justement, à continuer à questionner le monde en utilisant leur logique. Cette curiosité intellectuelle, cette curiosité qui va vous pousser à aller questionner et découvrir. Et pour découvrir, l'un des premiers ayant questionné, c'est le fameux Platon. Ouais. Et Platon, nous sommes là dans le livre « L'être humain », panorama de quelques grandes conceptions de l'homme, et on va retourner sur ce plateau avec Platon, avec Aristote, avec Descartes, avec Nietzsche, avec Marx, avec le fabuleux Jean-Paul Sartre, le père de l'existentialisme, époux de Simone de Beauvoir. Quelle coupe intellectuelle, ouais, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que c'est beau de s'adonner aux choses de l'esprit. Mais c'est aussi bon de respirer, mesdames et messieurs. Respirez, à tout de suite, après cette courte pause. Messieurs, nous sommes de retour sur le plateau Délivrez-vous. Délivrez-vous, c'est une émission du livre, pour le livre, par le livre, avec des livres. Pourquoi? Parce que les livres sont des portes qui ouvrent sur une compréhension lumineuse du monde et des choses. Parce que les livres sont des aides-bonheur. Les livres nous augmentent. Les livres ont sur nous un effet mélioratif. Les livres nous améliorent. C'est ce que ça veut dire, cher jeune, hein? L'effet mélioratif. Voici pourquoi il faut absolument, pour reprendre le poète Georges Castara, prendre les livres en otage. C'est ce poète qui a été dans la bouche de mon invité pour ouvrir sa parole à cette émission. Mais on a laissé la poésie. Nous sommes dans la philosophie qui, quelque part, est une forme de poésie métaphysique. Hein. Alors,
Lors de notre dernière émission, on avait vraiment vu et Platon, Aristote, Descartes. Mais j'aimerais qu'on fasse un clin d'œil à quelqu'un. Même pas un clin d'œil, qu'on ouvre nos yeux, hein, que nos yeux soient écarquillés sur le grand Karl Marx. Ouais. Voici quelqu'un qui a marqué profondément, que dis-je au passé, qui marque profondément, on va dire, l'aventure qu'est l'humanité. Peux-tu dire à des jeunes qui ont 20 ans comme toi, qui entendent pour la première fois ce nom, Karl Marx, peux-tu leur dire, du haut de ta vingtaine d'années, qui est Karl Marx et pourquoi il est fondamental, inéluctable de connaître Karl Marx? Parler de Karl Marx, c'est parler d'un homme qui est en quête de savoir. Parler de Karl Marx, c'est parler de cet homme qui se dit l'intelligence. C'est une urgence, pour vous reprendre. Ouais. Karl Marx nous convie à aller découvrir le monde des idées. Karl Marx nous dit, il ne faut pas se borner. Il ne faut pas se dire, ça me suffit, je suis ceci, j'ai une licence en tel ou tel domaine, ça me suffit. Pourquoi je dis ça? Lorsqu'on regarde Karl Marx, on voit que c'est un homme qui voulait apprendre. Il avait cela. Il a fait des études en droit. Il a eu un doctorat en philosophie. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment eu, on va dire, ce désir d'apprendre, de découvrir le monde de l'intelligentsia. Et lorsqu'on va donner ce conseil aux jeunes qui nous regardent là maintenant, on va leur dire, si vous voulez savoir comment l'intelligence, comment la connaissance ça enrichit, il faut aller découvrir Karl Marx parce que c'est un homme qui a mis la connaissance comme étant la première place dans sa vie. Et le concept clé chez Karl Marx, c'est le matérialisme dialectique. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est? On va dire que le matérialisme... on va prendre les mots séparément. Absolument. D'abord le matérialisme. Lorsqu'on parle de matérialisme, c'est un courant que Karl Marx met en œuvre où il nous permet de comprendre. Avant que tu n'avances, petite précaution conceptuelle pour les jeunes qui nous regardent. Matérialiste chez Karl Marx, c'est pas matérialiste que vous connaissez dans le français vulgaire et courant. Un homme qui s'intéresse à l'argent, un homme qui est final. Tout ce qui l'intéresse, c'est le gain. Ça, c'est autre chose. Hein. Là, nous sommes dans une autre conception. Vas-y, continue. Justement. Maintenant, Karl Marx nous parle du matérialisme. Il nous dit que le matérialisme, c'est ce courant qui nous permet de comprendre que la matière en mouvement constitue la substance principal du réel. Et il, voit la chose. C'est-à-dire le monde n'est que matière au départ. Mouvement, et non spiritualité. Exactement. Et non les idées également. Donc voilà. Il s'oppose aux idéalistes qui se disent pour comprendre le monde, le réel, il faut se référer aux idées, aux idéologies, tout ça. Donc pour lui, ce qui nous permet de nous mettre en corps avec le monde, c'est le réel, la réalité matérielle. Tout à fait. C'est matière en mouvement. Voilà. Et c'est là qu'il nous convie à une définition tout à fait emblématique du matérialisme. Et il fait, ce jumelage entre matérialisme et dialectique pour nous permettre de comprendre que le matérialisme dialectique, c'est, cette saisie des éléments contradictoires et antagonistes qui font partie de la réalité et qui s'affrontent chaque jour. Et il prend l'exemple de la classe, dirigeante bourgeoise et les travailleurs considérés comme des prolétaires qui, constituent deux éléments, deux camps tout à fait différents, mais qui s'affrontent chaque jour de la réalité. Donc, c'est pas, ils ne vivent pas les mêmes choses, mais ils s'affrontent chaque jour. Et c'est là qu'il nous permet de comprendre ce qu'est le matérialisme dialectique, c'est-à-dire cette saisie des éléments qui sont antagonistes, mais qui chaque jour s'affrontent de la réalité. Donc, un matérialiste au sens marxien, donc je fais référence à Karl Marx, pour rendre la chose pédagogique pour les tout jeunes, c'est quelqu'un qui part du principe que la réalité du monde, la compréhension du monde est dans ce monde. Tout à fait. Pour comprendre le monde, il ne faut pas se référer à un arrière-monde, comme aurait dit Michel Onfray, qui nous permettrait de comprendre le monde. Donc, nous sommes là dans le matérialisme. Et il parle également du matérialisme historique. Donc, le matérialisme, d'abord dialectique. Dialectique. Pour être dans la pédagogie. Ouais, ouais. Marx nous dit, qu'est-ce qui nous détermine comme individu?
ce sont les rapports contradictoires qui nous lient avec les autres. Voilà. Et il a nommé deux grandes catégories sociales et économiques, ouais, les patrons et les travailleurs. Les le patron, généralement, il a 95% des gains et le travailleur, 5%. Ouais, une pitance, et là, une Marx, pitance. Il dit, dans toutes les sociétés, il y a cette contradiction économique qui, des fois, aboutit sur un déchirement social aussi. Voilà. Et voilà. Il dit que ce matérialisme est historique aussi, parce que Marx, je te laisse aborder cet aspect. Ouais, donc Marx nous parle également du matérialisme historique. Et ce qu'il essaie de nous faire comprendre à travers ce type de matérialisme, eh bien, c'est parvenir à comprendre l'évolution des sociétés à travers les réalités économiques que nous avons vécues tout au cours de l'histoire de l'humanité. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le monde n'a connu que ce système économique pas dans du lequel tout, nous vivons. Pas du tout, pas du le système capitaliste n'est pas anhistorique. Qu'est-ce pas que ça tout. Veut dire? C'est-à-dire, c'est pas un système qui est sans histoire. Il y avait d'autres systèmes économiques et sociaux avant. Absolument. Le régime féodal, le régime esclavagiste. Le régime féodal, c'est le régime où il y avait le maître, le seigneur, et c'était au Moyen-Âge, et puis il y a les serfs qui sont les esclaves qui travaillent et pour le compte du maître qui est propriétaire. Et puis, le serf travaille pour son maître sans salaire. Et les parcelles de terre que le maître a, il confie une parcelle à son serf et puis ça va. Donc le serf travaille sans salaire et il y a eu également le régime esclavagiste. Absolument. Où c'était une propriété absolue des moyens de richesse où le maître, il s'approprie la totalité des moyens, des sources de richesse. Et l'esclave, lui, et comme, il n'avait rien. Comme le Code noir le disait, même l'esclave est considéré comme un bien meuble. Donc, il faut que les gens comprennent que le système capitaliste tel que nous le connaissons, ce n'est pas un système qui a toujours existé. Les hommes ont expérimenté avant d'autres modes d'organisation sociale et économique. C'est clair, hein? Matérialisme, dialectique, historique. J'espère qu'on a été le plus pédagogique et clair que possible. Mais après, les gens peuvent toujours aller approfondir pour en connaître un petit peu plus. Alors, Karl Marx est le père du communisme. Qu'est-ce que le communisme, Pierre? Ben, on va dire que le communisme, c'est un système économique qui pousse à primer, on va dire, l'étatisation des moyens de production. Mm-hmm. Donc, c'est le fait qu'il n'y a pas cette affaire de propriété privée des moyens de production. Il y a un homme là, il y a un monsieur qui s'appelle D'Angelo Neyor qui s'approprie la totalité des richesses. Eh bien, on va dire plutôt que dans le communisme, il faut dire qu'il n'y a pas cette affaire d'une personne s'approprier la totalité des richesses. Eh bien, c'est l'État qui va assurer, on va dire, les échanges, la distribution des moyens de production, tout ça. Donc, c'est ça la différence entre le communisme et le capitalisme, par exemple, où il y a, on va dire, une propriété privée des moyens de production. Et au préalable, Marx nous dit que ce n'est pas qu'il y a un problème avec la propriété privée. La propriété privée, par exemple, des biens de consommation. Par exemple, M. D'Angelo Neyor peut avoir, une chemise comme propriété. C'est rien, c'est des biens de consommation. Monsieur d'ingénieur peut avoir une voiture, c'est pas un problème la propriété privée des biens de consommation. Mm-hmm. Mais ce qui dérange, c'est la propriété privée des moyens de production qui facilitent les échanges entre acheteurs, demandeurs, entre travailleurs et propriétaires, tout ça. Et c'est ça qui cause problème dans le capitalisme, qui fait que Marx propose plutôt le communisme pour mettre fin à ce système qui ravage, qui fait beaucoup de mal, surtout aux prolétaires, pourquoi absolument. Pas. Et cette, on va dire, c'est une société idéale, hein, au sein de laquelle nous avons cette expression mère de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Je reprends, de chacun selon ses capacités. Chacun donne à la société communiste ce qu'il peut donner en termes de talent, de compétences. Si vous savez danser, si vous savez filmer, si vous savez animer des émissions. Donc, vous donnez à cette société ce que vous pouvez donner suivant vos compétences et à chacun selon ses besoins. La société communiste idéale s'assure que vous ayez de quoi subvenir exactement à vos besoins. Ouais, donc, ouais. C'est vraiment une société de l'abondance. C'est une société qui redonne à l'homme sa dignité,
Et c'est une société qui va couper l'aliénation qu'il y a entre l'homme et le travail dans le système capitaliste. Ouais, il n'y a pas de place pour l'exploitation de l'autre dans un système communiste. Il faut dire que ce système-là permet de voir combien Marx et la conception marxienne du point de vue, on va dire, des systèmes économiques, eh bien, il nous montre que c'est le vivre ensemble, c'est la solidarité qui va parvenir à nous permettre d'avancer. Donc, ce n'est pas qu'il y a une personne qui a, on va dire, un gros bourreau là, et ça, il accapare tout, mais il y a, on va dire, cette solidarité. Et je me rappelle de son fameux appel où il dit « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Unissez-vous, hein. Et, c'est l'un des livres les plus lus au monde, mesdames et messieurs, le manifeste du Parti communiste. Que je vous invite à lire, tapez sur Google. Je sais que TikTok, c'est magnifique. On est content sur TikTok. Je sais Instagram. Mais ça ne va rien vous coûter un matin de taper sur Google « Manifeste du Parti communiste ». Et vous lisez ça. Et vous vous nourrissez de ces idées. Et vous apprenez. Comme j'aime beaucoup le dire, il faut charbonner votre intelligence. Mettez du charbon de votre intelligence afin de devenir incandescent. Vous voulez nous prendre du feu et c'est l'esprit nous qui a banni du feu. Mais poursuivons maintenant avec notre ami là, Freud. Ouais. Quelle est la conception freudienne de la réalité? Sigmund Freud, hein, pour les plus jeunes, retenez ce nom, Sigmund Freud. Pour les plus âgés, ceux qui ont déjà le bac, ça va être une belle aventure avec Pierre. Sigmund Freud, qu'est-ce qu'il a apporté au monde que le monde n'avait pas encore? Parler de Sigmund Freud, c'est découvrir un aspect encore très important sur l'être humain. Parce que nous savons tous que cette question chiffonne l'idée de tout un chacun. Qu'est-ce que l'homme? Et voilà que Freud apparaît et nous dit pourquoi pas regarder l'aspect clinique qu'il y a de l'affaire. Et on va dire que Freud, c'est le père de la psychanalyse. Psychanalyse, analyse et de l'appareil psychique. Psyché, appareil psychique, analyse. Donc, Freud nous permet, à travers des essais cliniques, de parvenir à saisir ce qu'est l'homme. Et pour lui, l'être humain, c'est avant tout un être régi par l'inconscient. Voici le concept phare, hein, l'inconscient. C'est-à-dire, nous avons différents degrés, niveaux de conscience. Exactement. Donc, de l'appareil psychique que nous décrit Freud, il y a l'inconscient que les gens méprisent bien souvent de l'appareil psychique. Parce que pour les gens, la majeure partie de l'appareil psychique est consciente. Parce que c'est faux. Freud nous dit, c'est pas ça du tout. La majeure partie de notre appareil psychique agit si dans l'inconscient. C'est-à-dire, comme le mot l'indique, tout bêtement, l'inconscient, nous ne sommes pas conscients de ce qu'il y a dans notre inconscient. Et cet inconscient détermine notre conscience. Comportement, exactement. Et il dit cela, il dit que l'inconscient, c'est le psychisme lui-même et détermine son principe et sa principale réalité. Donc, c'est pas qu'il y a, on va dire, la conscience et puis l'inconscient, c'est une infirme partie. Non. L'inconscient, c'est ça qui nous guide, qui guide notre comportement et qui nous permet d'agir, d'interagir également. Parce que selon lui, les désirs, les pulsions instinctives qui sont refoulées, eh bien, c'est ces choses-là qui vont déterminer notre comportement, notre façon d'agir dans la société, de nous mettre en rapport avec les gens, tout ça. Donc, et ces choses-là vont évidemment pénétrer nos rêves, parce que Freud a une définition du rêve. Il y a même son fameux document, l'interprétation des rêves. Donc il nous dit que les rêves, c'est des désirs refoulés dans leur cours par notre conscience qui vont déboucher à ce qu'il appelle les rêves. En d'autres termes, le rêve, c'est la réalisation des désirs inconscients ou refoulés. Tout à fait. Donc, si on est dans un rêve, son bagage où tu es vrai, fait vrai, puis refoulé. Exactement, ça arrive tout le temps aux gens que vous dormez et puis avant de dormir, vous avez désiré quelque chose. Et là, je fais un clé de Afrique Etienne qui était là sur le plateau avec vous et qui avait dit tout ce qu'on conçoit et de manière forte arrive à se matérialiser dans la réalité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a des désirs dans le monde réel, on peut toujours les refouler. Je regarde, je marche dans la rue et puis je vois une meuf avec des fesses de Vénus Calipige. Il te dit, c'est tentant quoi, hein? C'est tentant, pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis,
du fait qu'il y a la moralité ambiante, ce que Sigmund va appeler le surmoi, ce qui nous limite, ce qui constitue la moralité extériorisée, les gestes qui te disent c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Et là, ça va te pousser à refouler ce désir, même si tu voulais toucher les fesses de la dame, tu vas refouler ça. Et peut-être que ça va arriver quand dormant, tu vas arriver la femme. Oui, et là tu vas voir que ta main est quelque part sur son corps. Donc le rêve nous permet de réaliser nos désirs inconscients. J'imagine qu'à ton âge, je rappelle que tu as quand même 20 ans, tu croises, tu rencontres beaucoup de jeunes qui n'ont pas de rapport de tendresse avec les livres ou qui n'ont pas de rapport du tout avec cet objet qu'on appelle livre. Game débile ou un livre qu'elle casse, il fait ouf. Il va là-dedans. Pas d'abord comme ça. Tête cassée. Parce que Mounio pense que ces livres-là sont fardeaux, sont sanctions, sont punitions. Donc qu'est-ce que tu aimerais dire à des jeunes qui sont dans l'adolescence, hein, beaucoup d'ados nous regardent, beaucoup de policiers aussi nous regardent régulièrement. Donc je profite de ce temps d'antenne pour saluer tous les agents de la police nationale d'Haïti qui regardent cette émission régulièrement, et lorsque ces policiers me croisent dans la rue, ils me font de belles salutations et me disent « Mon cher, ta dernière émission, Milan Kundera, Neruda », ça prouve que nous avons une police nationale qui est très intéressée par les choses de l'esprit. Bravo aux messieurs dames de la police nationale d'Haïti. Maintenant, toi Pierre, qu'est-ce que tu aimerais dire à des jeunes qui te regardent là maintenant et qui n'aiment pas lire? Pour vivre, il faut s'y prendre très jeune, parce qu'après, on perd toute sa valeur et personne ne vous fera de cadeau. Ça, c'est ma citation préférée. Romain Gary, la vie de bonsoir. C'est ma citation préférée. Je vois que tu m'as quand même bien écouté. Ouais. Romain Gary, que je vous invite à lire. Ouais, donc... Vous avez fait mention de cela à maintes reprises, et c'est cette phrase qui m'a toujours poussé à aller plus loin dans la vie, à aller découvrir des choses. Et je mobilise... Mais j'aimerais qu'on reprenne la phrase, hein, pour que les tout jeunes comprennent. Pour vivre, il faut s'y prendre très jeune. Très jeune. Donc c'est pas donc jeune pour faire le maximum d'efforts pour construire et tout. Ouais. Parce qu'après, on perd toute sa valeur. Lorsqu'il y a 50 ans, personne ne vous fera de cadeau. Tout à fait. On va le jouer, puis il n'y a pas eu si le moyen, et etc. Charles de Gaulle disait, la vieillesse est un naufrage. Ah, tu m'as bien écouté. Ça, c'est pas mal. Ça fait bien plaisir. Donc, pour vivre, il faut vraiment s'y prendre très jeune. Quand vous avez 17 ans, 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, jusqu'à 27, 28, c'est le moment idéal. Ouais, et c'est le moment propice pour vous construire, de charbonner son intelligence, comme vous le venez de le dire. Mm-hmm. C'est le moment propice d'apprendre. Parce que lorsqu'on est jeune, bon, déjà, la mémoire, c'est plus facile. Donc, on arrive à retenir des choses plus faciles. Donc, c'est ça. Lorsqu'on est jeune, il faut apprendre un métier. Voilà. Apprenez un métier. Tout à fait. J'aime beaucoup dire aux jeunes qu'il faut qu'ils identifient ce pourquoi ils sont faits. Voilà. Vous avez tous un déjà là. Gumbaga est naturellement ou bien habileté pour lui. Identifiez sa lié et à l'apprendre ni. Voilà. Plomberie, céramique, électricité, agriculture. Vous avez tous un déjà là. Maintenant, allez dans les métiers qui vont développer ce déjà-là, ce talent naturel que vous avez. On va dire, lorsqu'on est jeune, on a cette force physique, cette fougue, cette effervescence pour aller découvrir des choses. C'est là, pour les jeunes qui nous regardent là maintenant, on va leur dire que cette effervescence, l'énergie positive est là en vous. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est jeune, on a ça en soi, c'est naturel, et il suffit juste qu'on trouve notre source d'inspiration pour aller, pour s'aventurer, pour découvrir. Lorsqu'on est jeune, il faut apprendre à découvrir d'autres choses, la musique, les connaissances générales, tout ça. Donc il faut apprendre à se mettre en quoi, la découverte d'autres choses, d'autres champs, d'autres horizons, parce que si on attend, c'est lorsqu'on a 50, 60 ans qu'on va le faire, ce sera trop tard. Hein, et personne ne vous fera de cadeau, comme a dit Romain Gary, un écrivain français magnifique que je vous invite à découvrir, mesdames et messieurs. Donc, prenez vos études au sérieux. Soyez imperméables à la situation précaire et critique sécuritairement de ce pays. Prenez-vous au sérieux. Prenez-vous en main. Et vous allez constater que la société sera obligée de vous prendre au sérieux en retour. Mais si vous laissez le contexte haïtien vous avaler,
Je vous dis, c'est pénible, c'est triste que vous ayez laissé la réalité déterminer qui vous êtes. C'est à vous de fabriquer votre réalité. Soyez positif, ouvert sur le monde, soyez fougueux, soyez intelligent, soyez insolent même. Justement, voilà, que dis-je. Pierre, justement. Ce fut un plaisir de te recevoir. Ouais, c'est un plaisir exploré. Partagé. C'est un plaisir partagé. Et je dois dire également que la reconnaissance, c'est le miroir du cœur. Et je dois vous remercier pour ce travail combien noble que vous effectuez au sein de notre société, surtout au regard des jeunes. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui regardent votre émission de manière régulière. Donc, ovation à vous. C'est un travail, merci. C'est du bon boulot. Et j'espère que, bon, pourquoi pas, dans 5-10 ans, il y aura de la relève, quoi. Il y aura J'espère, parce que là, j'ai 31 ans. Je commence à vieillir. Ouais, la vie s'approche, quoi. Il y a une blague, il y a un professeur de philosophie, c'est la dernière blague. Il débarque en salle de classe, il dit à ses élèves, Platon est mort. Aristote est mort. Hegel, Spinoza sont morts. Et moi, votre serviteur, je ne me sens pas très bien. Est-ce que tu as compris la blague? Il s'est comparé à Platon. À Aristote, à Hegel. Donc, il est de la même division. Et il dit aux élèves, et moi non plus, je ne me sens pas très bien. Il ose. Et on va dire se comparer aux gants. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, merci Pierre. Il faut Pierre. Oser également. On doit dire ça, et monsieur Neyer. Mmh. Il faut que les jeunes osent également. Oser, ouais. C'est bien. Même si on ose, mais on tombe, ou bien il y a d'autres facteurs, mais il faut au moins oser. Non, mais pour être à cette émission, tu as osé, tu m'as contacté. Ah, tout à fait. Tout et à tu fait. As bien insisté. C'est pas mal. La persévérance. En même temps, on doit dire que si on n'avait pas osé, peut-être que. Ce qu'on a dit aujourd'hui ne serait pas possible. Ouais, beaucoup partager de jeunes auraient raté ces tout auteurs-là. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, nous allons vous laisser. C'est le temps pour moi de remercier Gamin, qui est toujours là à la console et qui réalise cette émission et qui nous permet d'être chez vous. Si vous avez accès à la philosophie, à Romain Gary, à Pablo Neruda, à Charles Bukowski, à tous les écrivains haïtiens qu'on a nommé sur ce plateau, c'est grâce à Gamin qui est notre réalisateur. On remercie aussi Rebecca qui nous maquille. On remercie Dieudonné qui coordonne toute l'activité. On remercie notre monteur, parce que cette émission aussi, évidemment, passe dans une salle de montage. On remercie notre graphiste Josué. On remercie Ronald à la mise en onde. Mesdames et messieurs, à Télévision Caraïbes, le présentateur n'est rien devant la grosse équipe qui a derrière et qui permet de produire cette denrée de l'esprit qu'est Délivrez-vous. Si vous m'appelez D'Angelo Neyar, je ne me fâcherai pas. Gardons bonheur, mesdames et messieurs, dans le monde, il doit y avoir deux êtres, Délivre et vous. Gardons bonheur.